Il y a quelqu'un à Québec, particulièrement au niveau du gouvernement, qui lui a décidé que tous les Québécoises et les Québécois devaient devenir riches. Je sais pas pourquoi, là. Puis je sais pas de quel droit il a décidé ça, là, parce qu'il n'y a pas personne qui a donné ce mandat-là, là, à nulle part. Puis pour ça, eh bien, tout le monde, c'est faux, tout le monde ne peut pas devenir riche, OK? Donc, les petits, il a décidé de les écraser. Ceux qui sont déjà riches vont devenir encore plus riches. C'est ça le problème des méga-porcheries. C'est pas des petits producteurs qui installent les méga-porcheries. C'est déjà des gros producteurs. Soit qui ont déjà une grosse ferme laitière, OK, qui produit, soit qu'ils ont déjà une porcherie qui fonctionne, mais ils en veulent une plus grosse. Ce bonhomme-là ou cette bonne femme-là à Québec, là, elle va finir par péter aux frites. Parce qu'à devenir trop gros, là, hein, puis à vouloir devenir trop gros, puis à manger le petit, là, bien, les petits, à un moment donné, là, ils serrent les coudes. Puis ils deviennent beaucoup plus gros en serrant les coudes qu'un gros tout seul. Cabinet du ministre Rémi Trudel, bonjour. Bonjour, madame. J'aimerais avoir la direction des communications, s'il vous plaît. C'est Hugo Latulippe de l'ONF. Merci. Je voulais communiquer un moment. Merci beaucoup. Bonjour, M. Latulippe. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, ça fait longtemps qu'on essaie de se parler. Ben oui, ça a été compliqué. Je vous rappelle, pour toujours les mêmes raisons, une entrevue avec le ministre Trudel pour un film sur l'industrie porcine. Là, on a un solide problème, c'est que M. Trudel, depuis 3 semaines, n'est à Québec qu'une journée. Là, cette semaine, c'est sûr, là, il prend l'avion tantôt. On a des semaines comme ça. Parfait. Nous, hein, on peut se déplacer n'importe où dans le Québec, là, sans problème. Ça, vous prévoyez sortir ça quand, cette opération-là, la filière porcine? Si tu veux voir le ministre, il faudrait que tu m'envoies tout ton scénario détaillé de ton reportage. Moi, j'enverrai pas le ministre si j'ai pas tous les détails. Puis même quand je les aurai tous, c'est pas garanti. Là. Le résultat de tout ça, là, est-ce que ça va être un portrait tout à fait objectif de la production porcine au Québec? Là? Ça sera pas une erreur boréale? Là. Puis dépendamment comment ça va être monté, faut pas que ça tende à biaiser là, l'information que le ministre veut vraiment diffuser. J'ai grandi dans un grand pays sauvage. Mes parents étaient plutôt politisés, engagés même dans un projet de société social-démocrate, c'est-à-dire un État qui prend soin du bien commun, qui respecte l'échelle humaine et qui veille, justement, sur le grand pays sauvage. À un certain moment, je ne sais pas quand exactement, tout cela a dû basculer. En quelques années, le fleuve devant la maison de ma grand-mère a été vidé de ses poissons par des grandes compagnies. Les forêts, derrière la maison, ont été transformées en New York Times. Je fais ce film parce que je suis inquiet, parce que je doute. Je fais ce film plutôt que de devenir terroriste. C'est que je me suis laissé dire, il y a de cela un an, qu'en 2001, il y aurait au Québec plus de porcs que d'êtres humains. Elle est en haut. Disons qu'il y a une... En ce qui me concerne ici, les rabillets, il y a quand même une montagne entre les deux.
Par ailleurs, il y a 28 % du volume de lisier qui serait épandu tout près d'ici, là. Ça se faut le mettre solide parce qu'à mesure que la sève monte, ça a tendance à se laquer un peu, tu sais. Oui, ça sent bien. Oh oh! Voilà. As-tu une ferme dans ce coin-ci, Bernard? Ça, c'est une porcherie, c'est un de mes clients. J'ai bâti ça, là, 5 ans. Et moi, j'arrive dans un champ, c'est le gars, il dit, va avoir une porcherie. Il a son permis de l'environnement, tout le kit, le plan de localisation. Mais moi, je fais tout de A à Z, l'excavation, la fosse, la porcherie, les équipements, la ligne électrique, l'électricité, tout le kit. Clé en main. Puis ensuite, j'y signe un contrat pour 5 ans, comme quoi qu'il va faire un revenu minimum garanti de X montant par année. Avec avec une prime de bonus en surplus selon son efficacité. Là, on arrive sur les lieux de la nouvelle construction. Tu peux tout garder un penchant pareil, on a gardé de un. Le mettre. On en a gardé un. Juste avoir du sol par-dessus là, pour. On prendra de la terre de la fosse, mettre là. Au lieu d'acheter du sort, mettre là-dessus. Ton père serait surpris de voir la ferme aujourd'hui? Ouais. Il trouvait que j'allais arrêter pas mal, tu sais, que. Il trouvait que j'allais trop vite. Lui, eux autres, ils ont connu la révolution tranquille, hein. Puis mon père, il tirait 15 vaches, 20 vaches, puis il cherchait pas à monter plus que ça, là, tu sais. Puis moi, j'achetais plein de terre, là. C'était pas comme lui pensait, là. J'achetais un voisin, il me disait, qu'est-ce que tu fais là, tu sais, il devait être trop gros, là. Je sais pas si ça allait trop vite, là. Aujourd'hui, regarde les fermes alentour. Il en reste, je pense, dans le rang, ici, là, 3 grosses fermes. Des petites, mais oh, il en reste encore? Des fermes familiales, il n'y a plus du tout à Normandie? Presque plus. Ben, c'est des fermes familiales. Ouais, ils appellent ça familial. Mais c'est des fermes de 2 millions, tu sais, qui ont consolidé leur terrain avec une dizaine d'autres fermes, puis les installations sont de plus en plus industrielles. Tu sais, là, tu vois un peu comme en Montérégie. Là, tu vois apparaître à tous les kilomètres un paquet de silos, de bâtiments. Puis, pour sécher. Là, ça va grossir encore plus. Fait, toute cette appartenance-là au territoire qu'on avait ici, tu sais, il n'y a pas une roche, il n'y a pas un fossé, il n'y a pas la traque des chars. Ici, tout ça, ça faisait partie. Ça structurait une vie quotidienne, tu sais. Quand tu l'as défrichée, là, elle t'appartient, cette terre-là. C'est pour ça Tu l'as dans le sang, c'est elle qui circule dans tes veines parce que c'est elle qui te fait vivre. Tandis que là, ils n'ont plus aucune appartenance. C'est de la production pour la production. On est passé au Québec en l'espace d'une trentaine d'années dans les campagnes du Moyen-Âge à l'ère moderne. Puis là, une autre trentaine, puis on est rendu sur la Lune, là. On est rendu dans des paysages lunaires presque, avec
le parc industriel à l'horizon, tu sais. Le secteur agroalimentaire québécois veut mieux s'outiller pour affronter la concurrence mondiale. Les participants au sommet de deux jours à Saint-Hyacinthe ont convenu qu'il faudra assouplir certaines règles et modifier... Les discussions portées sur la croissance, l'exportation... Ce qui nous réunit ici, c'est en un mot, la croissance. Les objectifs qu'on s'était fixés pour les discussions dans ce sommet-là, les choses qu'on voulait atteindre, on les a tous mis sur la table, on les a atteints. Les objectifs de croissance sur lesquels on avait travaillé ont été endossés par l'ensemble des partenaires ici. Nous allons poursuivre inlassablement trois objectifs chiffrés. Créer 15 000 emplois nouveaux dans le secteur agricole et agroalimentaire. Et pour y parvenir, investir 7,5 milliards de dollars pendant cette période et doubler le volume de nos exportations pour qu'il atteigne 4 milliards de dollars. Au cours des années qui viennent, lorsque les emplois nouveaux seront créés partout au Québec, grâce au nouveau dynamisme de nos entreprises, vous pourrez dire « J'y étais en mars 1998 à Saint-Hyacinthe quand nous avons décidé de voir grand. » Merci. Ces ronds noirs qu'on voit, c'est des embryons. Combien de porcelets elle donne chaque truie? Chaque truie me donne 11,5 porcelets vivants. En moyenne. Fait que le truc pour toi, Luc, là, c'est d'en avoir le plus possible, finalement. Le plus possible de porcelets? Ouais. Pour maximiser nos performances pour... Pour sortir le maximum de porcelet, pour être le maximum de productivité, pour réussir à dégager des profits dans notre entreprise. Ici, la ferme est 100% insémination artificielle depuis 1996. Ça fait 4 ans qu'il n'y a aucune relation sexuelle qui se passe à la ferme. C'est toute l'insémination. C'est une injection d'oxytocine, ça va accélérer les contractions. Mmh.
comment ça se fait qu'on est embarqué dans un schème qui mène toujours vers plus gros? La mondialisation, c'est ce qui a permis de, je dirais, d'augmenter l'efficacité de la production porcine dans son ensemble. Les producteurs, en étant sur les marchés internationaux, ont dû demeurer compétitifs et ont dû faire de la qualité. Alors, c'est un des aspects importants de la mondialisation, si on veut. N'eût été la mondialisation, la production porcine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'efficacité de la production porcine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis, possiblement, qu'on se referait envahir par d'autres pays ou d'autres provinces, là. Alors, les producteurs, dû à la mondialisation, ont découvert des possibilités, évidemment, d'aller chercher des ports de marché, mais en même temps, ont dû faire les efforts nécessaires pour garder ces marchés-là. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'on a une industrie ou une production vraiment là, en bonne voie. Les techniques ont pas mal changé, j'imagine, dans les dernières années. Oh, bien, aujourd'hui, c'est... C'est le 5 de pièce. Hein? Tu fais quelque chose, c'est comme des industries. Pour ça, quand c'est un peu. C'est le même type qu'une shop. Nous autres, c'est des shops à viande. Là. Au lieu d'être une shop de textile, il faut qu'elle se rentabilise par elle-même. Ta shop, là. Faut que tu prennes les moyens nécessaires pour. Que ça coûte meilleur marché que ton voisin, que tu sois toujours meilleur que le voisin, puis toujours de plus en plus meilleur que n'importe qui. C'est ce qui fait que ça avance, puis ça fait la réussite d'une entreprise. Ça, c'est des champs à gauche? Oui, c'est des champs de maïs. Du maïs? Ah, ben, le maïs, c'est une plante qui demande beaucoup d'engrais, puis on en amasse. Sur des céréales comme de l'orge, de l'avoine, on peut pratiquement pas mettre de purin parce que c'est trop riche en azote, hein, puis elle écrase. Puis là, quand ça écrase, mais c'est pas ramassable, quasiment avec une batteuse, ça fait de la perte beaucoup. Depuis la nuit des temps, les agriculteurs ajoutaient de la paille au fumier pour en faire un compost qui nourrissait la terre. La vie à la campagne était alors circulaire, c'est-à-dire que l'humain et la terre se rendaient l'appareil. C'était donnant-donnant. Le cauchemar a commencé lorsque les industriels se sont mis à ajouter de l'eau au fumier. Du coup, ils diminuaient leur charge de travail et augmentaient leur productivité. En quelques années, le volume de fumier de porc à épandre sur le territoire a été multiplié par 100. La pollution agricole représente la plus grande menace pour la qualité de l'eau au Québec. Dans un rapport rendu public aujourd'hui, la Commission sur la gestion de l'eau recommande plusieurs mesures pour protéger... Cependant, dans trois bassins de rivière, ce n'est plus 40 %, mais c'est bien 80 % de la pollution des eaux qui provient de l'agriculture. Qu'on ne retrouve pas et qui contamine encore nos cours d'eau, c'est celle d'agriculteurs devenus industriels et en même temps pollueurs. Elle est visible.
D'habitude, je tourne ma remorque, puis je m'attache, je m'enchaîne, j'ai un cadenas, là. Je m'enchaîne après le poteau. Comment ça se fait que vous l'enchaînez? Parce que il y a des gens qui semblent faire des collections d'affiches. Alors j'en ai perdu deux jusqu'à date. Celle-là, j'aimerais la garder un petit bout de temps, au moins une semaine. Alors en allant dans la remorque comme ça, le soir, je la ramène à la résidence. J'espère la conserver. Qui c'est qui vient la chercher? Ça, j'ai aucune idée. Sans doute des gens qui sont dans l'opposition par rapport à notre prise de position quant à l'avenue des ports chez nous. Hein. Mais je ne sais pas qui vient les prendre. Tous les gens qui ont mis des affiches ici ont aussi été visités par des gens la nuit et ont vu leur affiche disparaître. Grosse industrie en importance au Québec, ça le pose. Puis du bacon, ça ne s'approche pas d'une branche d'arbre. Il faut faire ça, mais ça pollue. Puis nous autres, on est mal vus là-dedans. On est mal vus, les producteurs. On est comme des pollueurs, des tueurs quasiment, par les gens de la ville. Mais tout le monde veut manger de la viande. Mais il n'y a pas personne, quelqu'un qui s'en vient se construire dans la campagne, mais lui, il veut pas rien sentir, puis il veut pas qu'on tente de fumier, puis il veut pas avoir d'odeur, rien, mais c'est assez compliqué de faire plaisir à tout le monde. Tu veux-tu aller voir sur la montée pour voir ouais, une vie d'ensemble? Ouais, ouais, OK. Il y avait pas de fosse avant? Avant, il y avait pas de fosse. Mais on mettait de la paille. Autrefois, on regardait des cochons, on mettait de la paille, puis de la ripe, puis avec un nettoyeur, puis ça faisait un petit tas de fumier et une grosse étain de marbre. C'est un autre principe, mais c'est pas la meilleure façon. Ça coûte 4 piastres de riz par cochon pour faire des cochons sur le litière, comme ça. Ensuite, ces 4 piastres-là, là, c'est pour rien. Puis ils ont tellement d'exercices là-dedans, là. On dirait qu'ils dépensent leur énergie là, à fouiller là-dedans, puis à marcher. Ça fait que ça prend pas mal plus de moulées. Le gain, la conversion alimentaire n'est pas bonne. On a essayé. Ça vaut pas le coup. Grossisse pas assez vite. Ça grossit assez vite, mais ils ont beaucoup trop d'exercices, puis ils prennent trop de moulées pour faire un livre de chair. Fait que c'est tes profits qui s'envolent. Industrialise l'agriculture, plus on fait des entreprises agricoles, des espèces d'usines biochimiques qui n'ont plus aucun lien avec la culture, avec la nature, plus on développe aussi des technologies qui sont hostiles à la nature, tu sais, qui viennent perturber profondément l'équilibre biologique des plantes, des sols, des animaux et aussi de leur rapport avec les humains. T'sais, c'est pour ça qu'on aboutit à des situations de cruauté animale absolument incroyable où les animaux sont vraiment comme uniquement comme de la chair à produire, t'sais, où les animaux deviennent des usines à produire eux-mêmes. Sans aucun respect pour leur nature profonde, tu sais, leur nature tout simplement.
Ça fait que c'est certain que la bataille, en fait, le débat entre l'agriculture industrielle et l'agriculture paysanne ou fermière ou l'agriculture mode de vie, c'est tout ça que ça implique. T'sais. L'agriculture industrielle, automatiquement, est une pollution. Parce qu'elle elle utilise des techniques qui sont, sont sacrilèges par rapport à la vie. N'obéissant qu'aux seules lois de l'offre et de la demande, le ministère de l'Agriculture du Québec et les industriels n'avaient pas prévu les quantités démentielles de polluants qui seraient générées en bout de ligne. Dans certaines régions, le déluge de phosphore contenu dans les matières fécales épandues dépasse de 400 % la capacité du sol à l'absorber. Les sols excédents d'une année contiennent une charge équivalente à celle des déjections de 14 millions d'êtres humains. D'après le ministère de l'Agriculture lui-même, plus du tiers des terres agricoles du Québec montrent déjà des signes avant-coureurs de stérilité. T'en prends une de mes aussi. Ah ouais? C'est vrai, ça. Celle-là, c'est pas mal ton discours. Mais tu l'as dit, là? Tu vois, j'ai hésité à l'embarquer, celle-là, matin. La roue est trop forte. Salut! Regarde-moi ça. Organisme qui lutte contre l'installation des méga-fourchelus dans le milieu. J'ai vu ça en bas en montant. Oui. Bonne chance. Merci. Quand le prix du porc a baissé, il a fallu les subventionner. Hein? C'est toutes des entreprises privées capitalistes qui disent on ne veut plus avoir d'État, on va avoir moins d'État, excepté avoir l'État pour les souscriptions, pour les octrois. Les Québécoises et les Québécois viennent d'investir des millions de dollars dans un VAP sur la gestion de l'eau. Dans le rapport qui en découle, on peut lire qu'un des plus grands pollueurs de l'eau au Québec, c'est l'industrie agricole, particulièrement le lisier de porc. Il n'est pas question de polluer davantage cette richesse collective qui, soyons honnêtes, a déjà plus que son quota de pollution à endurer. Daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici rassemblés devant vous pour travailler au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Daignez nous accorder la grâce de ne rien décider qu'il ne soit en tout conforme à votre volonté sainte. Amen. Monsieur le Beaumaire, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, étant donné la situation actuelle dans la paroisse, à savoir qu'il y a tout au moins deux opinions quant à l'implantation de méga-porcherie. Est-ce que, M. le Pommard, Mme, Messieurs les conseillers, vous seriez prêts à vous engager à ce qu'il n'y ait pas d'autres permis pour construire de nouvelles porcheries jusqu'à ce que le dossier soit réglé à la satisfaction des uns et des autres? Et pour ce faire, ben, nous disons que ce serait un bon départ si vous donniez un avis de motion ce soir. Non, on ne donne pas d'avis de motion ce soir, on peut étudier le dossier. Pas fini? J'en reviendrai par après. Premièrement, j'aimerais demander à M. Michaud, ici présent, savoir s'il s'adresse vraiment au bon niveau, législatif. S'il fait confiance au ministère de l'Environnement, qui a déjà plusieurs dossiers, plusieurs études de fait en ce sens, et qu'il y a plusieurs légiférations, justement, qui traitent déjà de ce problème-là. À date, on en a fait des règlements pour limiter la grosseur des porcheries, puis
Puis lorsque vous appelez une méga porcherie industrielle polluante, dans le fond, ce n'est qu'une ferme familiale. Ferme familiale, c'est une ferme familiale. Et on respecte ça. Et on sait que les gens ont le droit de gagner leur vie. Et on souhaite qu'on demeure dans un milieu rural et dans un milieu agricole. Mais lorsque des intégrateurs débarquent chez nous avec des porcheries qui sont des industries, des manufactures, c'est la différence fondamentale. C'est ça qu'on vous demande de légiférer. Et à ma connaissance, M. Lemay n'est pas concerné par ces projets-là, à moins qu'il y ait des projets secrets. Moi, je me dis que quand même, il y a des normes environnementales qui ont été établies puis qui sont respectées par les porcheries qui ont été construites à date. Vous vous relancez la balle. Allez au ministère de l'Environnement, allez ici, allez là. Nous, on a un conseil municipal qui est supposé s'occuper de nous autres, c'est ce qu'on veut. Moi, quand j'avais pris le mandat ici, je ne m'étais pas fait donner comme mandat de m'occuper de l'environnement. Pour répondre à Mme Daigle, là, je peux dire que c'est moi qui est le producteur de porc. Là. Je peux dire que l'environnement est venu visiter mes fermes. Ils ont pris la grandeur exacte de mes terres. Ils ont pris les analyses de sol. Ils ont tout analysé comme il faut. C'est quoi qui... si j'étais dans les normes? Mais je pense que non plus, on n'est pas intéressé à polluer notre environnement. On vit avec notre environnement. Il y a de la place pour avoir 4 fois plus d'unités animales qu'on a présentement. Il y a eu des très bons règlements qui ont été apportés même en la défaveur du milieu agricole. Il y a eu la zone blanche pour les porcheries, les distances séparatrices, les vents dominants. La grosseur des bâtiments, c'est amplement suffisant pour laisser la place à l'agriculture. Merci. Il y a tellement de lois puis de normes environnementales que ça devient compliqué. Autrefois, on se décidait de bâtir une porcherie, c'était pas un problème. On allait chercher un permis de construction, puis on bâtissait, on n'a pas besoin de parler à 10 organismes. Aujourd'hui, si tu bâtis trop gros, c'est une étude d'impact. Il faut quasiment que tu fasses le tour de la paroisse pour avoir l'opinion de tous les gens pour voir si tu peux bâtir une porcherie. C'est vraiment là, compliqué. Là. Ça s'en vient là, moins drôle un peu. Le bon temps est passé, je pense. Au ministère ici, qu'est-ce que vous pensez de ça quand l'UPA dit que le ministère de l'Environnement hypothèque le développement économique du Québec? En principe, c'est pas le ministère de l'Environnement, c'est la population en général. C'est la population. Nous autres, on est ici, nous autres, pour appliquer les lois et les règlements du gouvernement qu'on nous demande d'appliquer. Puis quand ça respecte les lois et les règlements du gouvernement, nous autres, on émet des certificats d'autorisation. On bloque pas des projets. Pour bloquer des projets. Fait que quand on prend une demande de certificat d'autorisation, c'est facile à analyser aussi parce qu'on a un processus. On prend notre processus, on dit, bon, on regarde la demande de certificat d'autorisation, j'ai le formulaire ici, OK, elle est correcte, les informations sont là, il a signé, la date est marquée, OK, donc la demande est faite. L'attestation de conformité municipale maintenant, elle est signée par le secrétaire trésorier, oui. Est-ce que ça respecte la réglementation municipale? Oui. Fait que c'est facile à analyser dans ce temps-là, comprends-tu? C'est pour ça que... ici, dans le domaine qu'on travaille, surtout dans le domaine agricole, dans le domaine, il faut avoir un peu des on appelle ça des fast-tracks. C'est un peu un fast-track qu'on s'est fait, nous autres. Dans certaines régions, par exemple, nous, on fait 150 après dossiers agricoles. Dans certaines régions, il y en a 300, 400, 700, 800 dossiers agricoles. Ils ont des fast-tracks aussi. Parce que ça n'aurait pas de bon sens en sorte. Le citoyen a des droits. Le producteur en a, oui. Je ne vais pas les contester. L'industriel en a, oui, je ne vais pas les contester. Mais il y a une chose certaine, par exemple. C'est qu'il y a une loi au Québec qui dit que personne n'a le droit de polluer. Puis ça, c'est la loi sur la qualité de l'environnement au Québec. Okay? Que ce soit les producteurs, que ce soit les industriels, que ce soit le citoyen, nul n'a le droit de polluer ou de détruire une ressource naturelle. On n'a pas le droit de détruire ça, là. Parce que c'est pas à nous, elle nous est juste prêtée. Puis demain matin, là, les petits-enfants, là,
Ils vont regarder le grand-père là, qui produisent des porcs à l'heure actuelle, là, puis ils vont leur dire, ben grand-père, là, regarde ce que t'as fait, là. La terre est finie, là. Elle peut plus produire, là. D'un commun accord avec l'Union des producteurs agricoles, le gouvernement du Québec mise essentiellement sur la bonne volonté des industriels pour veiller à l'application des normes environnementales. Or, le vérificateur général du Québec a récemment découvert que les éleveurs engraissent clandestinement 22 % plus de porcs que ne l'autorise le ministère de l'Environnement. Violant systématiquement la loi aux quatre coins du pays, des producteurs rasent maintenant ce qu'il reste de forêt pour étendre chaque jour un peu plus leur océan de fumier. Nos entreprises, on y a trop investi de capitaux pour faire en sorte de les laisser à risque parce qu'un certain nombre de pratiques au niveau de l'agro-environnement sont remises en question par différents éléments de la société. Il faut que l'on s'en occupe. Puis quand on regarde l'allure, le développement de notre industrie au Québec, pour la première fois en 1999, nos recettes monétaires ont dépassé 5 milliards de dollars. Hey, c'est quelque chose. 5 milliards de dollars, notre seule industrie de l'agriculture au Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. La prospérité, vous aimez ça, j'aime ça, nous aimons ça, le Québec aime ça. Les régions aiment ça. La prospérité, il faut que ce soit pour nous aussi. Le seul secteur agricole et agroalimentaire a investi dans l'ensemble des régions du Québec, sur le territoire québécois, pour plus d'un milliard de dollars. 1,2 milliard de dollars. Ça veut dire que nous, en agriculture et en agroalimentaire, on bâtit une aluminerie à chaque année. Au Québec actuellement, on assiste à un partenariat là, entre quelques ministres du gouvernement et quelques grands consortiums. Et il n'y a plus rien pour les arrêter. Tu sais, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu, là, depuis 6 mois, une accumulation de sonnettes d'alarme, de cloches d'alarme très graves. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va falloir pour que ces partenaires-là, là, qui sont partis sur un délire économique, là, un délire mondial, là, qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'ils s'arrêtent puis qu'ils disent, là, va peut-être falloir reviser les objectifs qu'on s'était donnés. La croissance indéfinie, ça ne tient pas debout. Le mythe de la croissance économique, ça n'a pas de sens. La planète ne peut pas supporter une croissance continue. Ce sont les Américains qui fixent les prix sur les marchés internationaux. Comme leurs usines sont de plus en plus grosses et que les producteurs du Québec ont l'intention de conquérir les mêmes marchés que les Américains, le gouvernement du Québec a dû octroyer aux producteurs agricoles québécois, au cours de la seule année 1998, une aide directe de 500 millions de dollars assortie du mandat d'intensifier la production. Ces marchés-là sont indispensables. Sont indispensables pour qu'on soit capable d'offrir aux Québécois un porc de qualité. On ne pourrait pas avoir une entreprise ou une industrie dynamique, rentable, si on n'occupe pas ces marchés-là. Puis notre produit est distinctif. Je vous dirai un peu l'exemple. Bombardier a réussi maintenant au plan international. Il fait des avions, mais ça permet de nous offrir donc des skidoo de très haute qualité pour qu'on soit capable ici de répondre à nos besoins. Puis nos besoins, c'est donc dans le domaine, ici, on a un hiver qui est beaucoup plus long. Mais Bombardier a réussi sur le plan international en répondant à des marchés dans un autre domaine. Puis je vous dirais que les producteurs de porc, c'est un peu ça. Ils produisent un porc de qualité qui est fort apprécié par les Japonais. Et il va falloir qu'on maintienne toujours ces hautes exigences pour ne pas perdre ces marchés étrangers. C'est important.
Les Japonais vont manger notre production, mais nous autres, on va rester avec la cochonnerie. Puis en plus de ça, on les subventionne. Je veux dire, il y a quelqu'un à quelque part à Québec, au gouvernement, là, qui résonne là, comme un moins curtain. J'ai hâte qu'il y ait quelqu'un qui mette son poing sur la table et qui dise les conneries puis les niaiseries, là, ça suffit, on va arrêter ça ici. Là. C'est l'opération de la castration des porcelets. Je sais que les chercheurs travaillent présentement pour faire une castration chimique. Je crois que d'ici 4-5 ans, on va être capable de ne pas castrer les porcelets à naissance et que la castration se fera chimiquement pendant l'engraissement des porcelets. Ça va faire le bonheur de tous les producteurs de porc au Québec, je pense, et même dans le monde. Ça, c'est votre puits. Regarde, regarde, l'eau est à la surface, là, regarde. Tout des puits de surface. Là, l'eau, quelle qualité elle a, votre eau? Elle est polluée. Elle commence déjà à être polluée. On l'a fait analyser. Là, il disait de mettre de l'eau de Javel dedans, puis tu te quittes là, pour essayer de désinfecter. De désinfecter, puis tu te quittes. Mais le problème, ça donne rien. On sait ce qu'il est, le problème. Puis on va toujours prendre de l'eau de Javel dedans, là, ou un système de traitement. Puis tout est plus de surface, c'est le même. Bon, là, il faut vivre avec ça. Il y a peut-être des écolis dedans, mais ça, c'est pas grave, ça. Il y a en mer un camp à fouet, c'est la campagne. Dans ce débile, ben, ça peut arriver, ça en affecte plusieurs. Ici, ça en affecte juste ça. C'est pas grave. Tu sais, on pourra plus utiliser notre eau. Il va falloir s'acheter des cruches puis avoir de l'eau potable tout le temps. Pour nous autres, là, ça va devenir là, invivable. On dirait qu'on est trop, nous autres. On se le fait dire. Si vous n'êtes pas content, là, allez-vous en ville. Retenez-vous en ville. Moi, je suis arrivé ici, 20, au moins, ça fait 25 ans que je suis ici. La porcherie vient de se construire. J'ai été élevé à côté. Mais là, c'est moi qui est trop. Là. Les porcheries ne sont pas trop, c'est moi qui est trop. Va-t'en en ville, c'est pas content. Puis on se le fait dire régulièrement, ça. Au ministère de l'Environnement, là, vous servez à quoi, là? On ne sait plus à quoi ils servent, là. Nous autres, on les paye aussi, ce ministère-là. C'est nous autres qui les fait vivre. Mais on les paye pour faire quoi, là? Moi, je suis rendu à me poser la question, s'il n'y a pas de connivence, l'environnement avec l'UPA et toute la gang. Je suis rendu à me poser cette question-là. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens comment ça marche. Ils ont perdu la fesse complètement, d'après moi, là.
Bonsoir. En cette époque plutôt aseptisée, on ne s'attend pas à trouver la mort au bout de son robinet. En Ontario, dans la petite ville de Walkertown, 4 personnes sont mortes, 10 sont dans un état critique et 431 personnes traitées. La cause, une bactérie appelée E. coli. La ville de Walkerton est toujours en deuil. On a tenu les funérailles de 2 autres victimes de l'eau contaminée. Et le bilan de 5 morts pourrait encore s'alourdir puisque 13 personnes sont toujours hospitalisées, dont 3 qui sont dans un état critique. Tout le monde pensait que le gouvernement était capable de prendre soin de nous autres, mais non. Il faut qu'il arrive des morts avant qu'ils fassent. D'où est-ce qu'ils sortent ces parasites-là? Ou ces bactéries-là, quand on sait que tous les troupeaux de veaux, par exemple, sont infestés à 90 % par le cryptosporidium, ou que les principaux porteurs de Escherichia coli pathogène, c'est des troupeaux animaux aussi. On voit pas les humains se promener avec ces bébites-là par milliers, là, et les excréter dans les cours d'eau. C'est que les troupeaux animaux qui sont dans cette situation-là. Alors, c'est clair pour n'importe qui n'a pas de parti pris là-dedans économique, là, comme les agriculteurs, que la cause est là. On n'a pas encore fait la preuve satisfaisante pour un juge parce que c'est interdit par les lois à l'heure actuelle. La seule façon de faire cette preuve-là, c'est de modifier génétiquement une bactérie ou un parasite, de les injecter dans des troupeaux, puis après ça, de chercher dans l'environnement où ils sont. Mais pour faire ça, il faut un permis du ministère de l'Environnement. Il ne donne pas. Envoyer une bactérie modifiée génétiquement dans l'environnement, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, sauf dans des conditions de laboratoire ou dans des champs bien particuliers, c'est très strict. Donc, on pourrait faire la preuve comme ça qu'il y a un lien de cause à effet. Mais on nous interdit de faire ce genre d'études-là. Alors, c'est impossible donc de faire le lien de cause à effet. C'est aussi simple que ça. C'est le ministère de l'Environnement qui nous interdit de faire les études qui pourraient nous permettre de leur donner les outils pour faire la dépollution agricole, de faire une preuve stricte et rigoureuse. Walkerton, ça pourrait-tu arriver au Québec? Ça me surprendrait, parce que la gestion environnementale des fermes porcines là, est beaucoup plus sévère au Québec qu'en Ontario. Là. La réglementation environnementale est beaucoup plus sévère au Québec qu'en Ontario. La sensibilisation des producteurs est beaucoup plus importante au niveau du Québec qu'en Ontario. Alors, ça me surprend que ce genre de choses arrivent. Je suis bien surpris. D'après les médecins du ministère de la Santé du Québec, dans certaines régions, plus de 50 % des puits de surface sont maintenant contaminés par des micro-organismes, des nitrates ou des pesticides. Et dans certains cas, les concentrations sont 1000 fois plus élevées que le seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé. L'incidence des infections à la bactérie E. coli est en hausse au Québec. Bien que la majorité des 257 cas annuels soient dus, pour l'instant, à la consommation de viande contaminée, les médecins n'écartent plus les risques d'épidémie liés à l'eau. Là, on s'en va chercher M. Beauvais. M. Beauvais, c'est le paysan français le plus célèbre qui dénonce la malbouffe, qui dénonce l'absurdité de l'agriculture telle qu'elle est en train de devenir. Ici, on n'est pas encore capable de s'imaginer qu'on peut reprendre, stopper ce mouvement-là de mondialisation de l'agriculture. Tu sais, on est encore dans l'idée, comme tout le monde répète, qu'on n'a pas le choix, que si on veut qu'une ferme survive, il faut qu'elle devienne plus grosse, puis etc. Et on pense pas qu'on peut, à un moment donné, s'arrêter puis dire pourquoi est-ce qu'on recommencerait pas à faire de l'agriculture pour vrai, tu sais. To begin the resistance, the multinational corporation against Monsanto. I think actually in the United States you have to make also a big movement to put this kind of multinational away. You shall throw them in the sea. C'est lui, ça? Bonjour. Bonjour, M. Beauvais. Roméo Bouchard. Enchanté. C'est ça. M. Desbayens? Parfait.
Thérèse Routier. Je vous souhaite la bienvenue au Saguenay, M. Beauvais. Eh bien, bonjour. Bonjour. Monsieur de Bayeul, bienvenue bonjour. Chez nous. Je vous en prie. Chez nous, en France, la grande zone de production de porc, c'est la Bretagne. Eh bien, pour les habitants de ces territoires, de tout l'ouest de la France, eh bien, aujourd'hui, l'eau n'est plus potable, mais ça fait maintenant plusieurs années. Et ça va être pour encore des années et des années, dans la mesure où les nitrates descendent d'un mètre par an. Aujourd'hui, on estime qu'on est en train de boire l'eau avec les nitrates d'il y a 10 ou 15 ans. Donc on n'est pas encore en train de consommer les nitrates d'aujourd'hui. Et dans ces territoires-là, eh bien l'eau n'est plus potable, les gens sont obligés d'acheter l'eau au robinet, et comme on dit souvent, ils achètent trois fois l'eau dans la journée, ils payent l'eau de l'adduction d'eau, ils payent le traitement de dénitrification et de nettoyage de l'eau, et ils vont au supermarché, ils achètent l'eau en bouteille. Et je crois que ça fait partie des scandales. Un scandale de plus que nous sommes en train de vivre chez nous, c'est qu'une minorité de surproducteurs sont en train à la fois de tuer leurs voisins avec la baisse des cours et en même temps d'asphyxier l'eau de la majorité de la population. Et en ce sens-là, on peut dire que ce sont vraiment des terroristes parce qu'en fait, ils prennent en otage toute une population pour uniquement l'intérêt d'une minorité. On fait, mais ils tournent toute l'année. Vous êtes malade, en fait. Pardon? Vous êtes malade, en Christ. Comment ça? Vous êtes sauté sur le cœur. Comment ça qu'on est sauté sur le cœur? En termes de qualité de l'eau, ça, ça vous inquiète pas, vous? J'ai une ferme, moi, puis une, puis à 100 pieds de la grande. Je n'ai pas contaminé mon puits, là. Je vais prendre des échantillons d'eau. Il monte, il monte là, puis en haut. La quantité de méga porcherie qu'il y a dans le coin, ça méga porcherie, c'est quoi pour toi? Ben, les gens appellent une porcherie de 2000 porcs une méga porcherie. Non, pas vrai. C'est quoi pour vous une méga porcherie? C'est au moins 10 000 porcs et plus. Y en a-t-il ça au Québec? Non, pas. Au Québec, je sais pas, mais à 5 points, il n'y a pas ça. Vous êtes agriculteur aussi? Ouais. De quoi? Qu'est-ce que vous avez? Des vaches. Bon, en tout cas. En juin 2000, un avis de santé publique rédigé par 16 médecins et scientifiques fait état du danger pour les humains vivant en milieu agricole d'entrer en contact avec l'eau des rivières. Affligés du fléau agricole, les rivières L'Assomption, Chaudière, Yamaska, Etchemin, Bayonne, Boyer, Nicolet, Saint-François, Richelieu, Bécancourt, Beau-Rivage et Châteauguay se déversent toutes dans le fleuve. Ça représente quoi? Bernard Paquette, Inc. Ouais. Bernard Paquette, ça comprend environ 3500 truies. Il va s'en rajouter un autre 800 de plus, qui va faire environ 4000 truies. Puis 100 000 porcs à l'engrais sur le marché environ. Puis le partenaire qui est avec moi, Mario Côté, lui, a environ la même quantité que moi. Puis la meunerie, eux autres, ça comprend à peu près la même chose que nous individuels. La meunerie a environ 3000 quelques centruits, puis fait environ 60 000 cochons, 70 000 cochons par année. Plus l'entreprise de Isoport qu'on a acheté.
l'an passé, au mois d'août, qui comprend 12 000 truies, 250 000 cochons par année, à peu près. Que tout l'ensemble de ces quatre entreprises-là, mis ensemble, fait environ 23 000, 24 000 truies, va mettre sur le marché environ 515 000 cochons par année. À l'abattoir. Signé Paquette. Signé Paquette. Paquette côté. Ça, ça représente une bonne part du, de la production québécoise, certain? Oui, ça doit être environ ça, 10 %. Je pense à peu près 10 % du marché, à peu près. À 80 cents de livre, là. Tu peux mettre du beurre sur ton pain. Ce soir, on est ici pour vous expliquer notre projet. Si vous avez des questions, on va y répondre. Et c'est pour ça qu'on s'est déplacé. Et puis, je voulais vous mettre dans le contexte comment est-ce que Nutrinor en était venu à faire la promotion de ce projet. Mon nom est Élise Gauthier. Je suis citoyenne de Saint-Honoré. Ma question s'adresse à M. Gaston Lajoie. M. Lajoie, Nutrinor et vous-même, êtes-vous en mesure de reconnaître que la population d'une municipalité a le droit de refuser d'accueillir sur son territoire votre filière porcine? C'est évident que pour Nutrinor, on installe une filière porcine selon les règles de l'art. C'est pas là ma question, M. Lajoie. Je vous ai demandé si la population avait le droit, vous reconnaissiez à une population locale le droit de refuser la venue d'une partie de votre filière porcine. C'est évident que les personnes qui veulent une filière porcine à être mise, ça nous prend toutes les règles, il faut respecter toute la réglementation. Et Nutrinor va sûrement être très, très, très sévère au niveau de cette réglementation qui doit être respectée. C'est pas ce que je vous ai demandé, monsieur. Mais je vais vous poser autre... Écoutez, madame Lozier, s'il vous plaît. Qui répond? Excusez-moi, là. Ben, est-ce qu'on peut enlever le droit d'un producteur de produits? Ben là, j'aimerais là, qu'on garde... S'il vous plaît, moi, je ne veux pas partir une discussion non plus. Je veux juste que vous répondiez à ma question. C'est tout. Est-ce que vous donnez ce droit-là à la population? Point, c'est oui ou non? Point, c'est fini. C'est juste ça que je veux savoir. Je dis que notre filière porcine s'installe selon toute la réglementation qui est très sévère. Ça veut dire que quoi qu'on fasse ce soir, on n'a rien à faire. On vient prendre des renseignements, puis M. Robitaille, il a le permis dans ses poches. C'est ça que ça veut dire, quoi. Monsieur Robitaille n'a pas le permis. Mais il va l'avoir! Monsieur Robitaille, écoutez, le promoteur est venu à la municipalité. Il a demandé son certificat de conformité. Maintenant, on a regardé, c'était une zone agricole. C'était une zone qui est régie selon la loi de la protection agricole, du territoire agricole. Donc, le projet est conforme à la zone. Nous n'avons pas encore émis le certificat de conformité, mais la loi nous dit que nous avons 30 jours pour l'émettre. En fait, à toute fin pratique, la municipalité, à part de dialoguer avec vos collègues d'ici, là, on n'a plus rien à faire. C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire, mais dites-nous-le donc franchement. Écoutez, dites-nous là, non, il a demandé son permis, on ne peut pas le lui refuser. Hein? Je pense que c'est ça, vous ne pouvez pas le lui refuser s'il est conforme. Hein, vous autres, vous le savez autant que M. le maire. C'est ce que la loi. À ce moment-là, on parle ici pour rien. Il va y avoir un permis de sous à cochon de donner ici à la municipalité de Saint-Honoré, sur le territoire même, sans qu'on dise leur juste aux citoyens qui se sont dérangés à votre invitation pour venir avoir cette information-là, au moins. Parce que si la population décidait tout à coup de dire on n'en donne pas, puis si M. Robitaille veut revenir contre la municipalité, ben on payera, monsieur. Mais on est capable de payer. On est capable de dire qu'on vient, on payera. Mais on veut savoir. C'est votre opinion. Je pense qu'on aboutit là, à, on aboutit à la,
à la perversion du droit de propriété. T'sais. Ça a toujours été une tendance là, dans toutes les bourgeoisies, si on veut. Mais là, actuellement, le droit de propriété devient une menace carrément pour les communautés. T'sais, parce que ce n'est plus le droit de produire aux agriculteurs qu'on donne. Ce n'est plus à des agriculteurs là, qui font partie d'un milieu puis qui en sont, le pour ainsi dire, les piliers. Là. C'est on donne un droit de produire à des compagnies. En principe, le Québec est une démocratie, ce qui veut dire que tous les citoyens y sont égaux devant la loi. Pourtant, en 1997, le puissant lobby de l'Union des producteurs agricoles convainc le gouvernement du Québec d'accorder à ses membres une immunité devant la loi en zone agricole. Désormais, en cas d'opposition à la construction d'une méga-porcherie, le droit d'accès aux tribunaux des autres citoyens est limité. Selon le barreau du Québec, la loi 23 est une exception importante au régime normal de la démocratie. Ce que le barreau a déploré, c'est que, notamment, les dispositions de la loi 23 qui visent à mettre les producteurs agricoles à l'abri de l'autorité des tribunaux en ce qui concerne les poursuites en injonction ou en dommage-intérêt pour ce qu'on appelle troubles de voisinage ou inconvénients résultant notamment des odeurs, ça nous ramène à une ancienne époque où le législateur intervenait comme ça pour empêcher, par exemple, des injonctions contre les moulins à papier ou contre d'autres activités industrielles dans les municipalités. Quelle époque? À ma mémoire, ça remonte aux... Il y en a qui remontent au tournant du siècle, il y en a d'autres qui remontent aux années 30-40, et c'est des dispositions qui sont finalement disparus de nos lois municipales. Et là, on les voit réapparaître en 1997. Et dans ce contexte-là, c'est certainement un retour en arrière. À l'Hippolyte Lafontaine, je pense. C'est ça, c'est à Lafontaine. Ah, quelle histoire que c'est ça. Ce qu'on veut vous faire entendre, c'est le point de vue de citoyens qui subissent chaque jour dans leur communauté les conséquences concrètes de la loi 23. Paradoxalement, l'agriculture, qui a été longtemps la base de l'économie et de la vie rurale, est en train de devenir une des menaces les plus sérieuses pour la campagne. Ce n'est plus une priorité en ce moment aux activités agricoles, c'est en train de devenir une exclusivité et un monopole. Dans cette conception, la zone verte appartient aux cultivateurs. Tous les autres usages doivent être refoulés dans les zones blanches les plus restreintes possibles, et toute forme de contrôle des activités agricoles par les communautés locales en zone verte est jugée abusive. Cette conception rigide ne peut conduire qu'à une destruction de la campagne et du milieu rural. L'eau coule partout à travers la campagne. Elle ne s'arrête pas aux frontières de la zone blanche et de la zone verte. La campagne, sa population, ses villages et ses rangs forment un tout. Il y a moyen de protéger de bonnes terres agricoles sans faire de la zone verte un ghetto ou un parc industriel agricole, ce qu'on est en train de défendre en ce moment. La campagne, elle ne va pas bien. Hein. Le monde pense qu'elle va bien. C'est comme la forêt avant le film de Desjardins. Tout le monde pensait que ça allait bien. Mais ça va pas bien en campagne actuellement. Du tout. Elle s'en va sur le diable à cause de des raisons comme ça. Nous considérons que c'est absolument scandaleux actuellement qu'on laisse les communautés locales dans l'impossibilité de se défendre et qu'on laisse un lobby faire la loi et interpréter la loi comme il le veut. Les gens que j'ai derrière moi et les gens qui sont à travers la province avec lesquels on est en contact, c'est cette situation-là qu'ils vivent. Comment ça se fait que nous, les citoyens, on n'est pas consultés? Comment ça se fait que ceux qui s'occupent de développement ne sont pas consultés? Comment ça se fait que ceux qui s'occupent de santé sur le territoire ne sont pas consultés?
Ceux qui s'occupent de tourisme, qui apporte actuellement des retombées égales à l'agriculture dans notre région, ne sont pas consultés. T'sais? Ça va pas, ça. Ça marche pas. T'sais, quand même qu'il y aurait des boss en haut qui disent oh, « on va s'arranger avec ça ». On va s'arranger avec ça parce qu'il y a mieux s'arranger avec l'UPA que de l'avoir dans le dos. Mais seulement, ça marche pas, ça. Ça ne fonctionne pas. Quand 75 % des habitants d'un village signent une pétition s'opposant à la construction d'une porcherie, mais qu'en vertu de la loi 23, on la fait construire quand même, vous trouvez ça démocratique? Moi, je vous dirais ceci. C'est qu'à ce moment-là, on n'a pas réussi à expliquer aux gens qu'on a toutes les mesures, on a les connaissances scientifiques pour être capable de les rassurer quant à la protection de leurs ressources, autant de la ressource sol, de la ressource eau. Ça, je vous dirais, là-dessus, il y a probablement un bout où on a échoué, parce que les scientifiques nous démontrent, hors de tout doute, qu'on est capable. On entrepose le lisier, on peut l'épandre sur une manière appropriée, de manière appropriée au bon dosage. C'est bien entendu que l'odeur est désagréable, mais on connaît les technologies. Il faut donc qu'on mette en œuvre ces moyens-là. Puis le message qu'on reçoit de la population, c'est de dire, voici, il est grand temps que l'ensemble des intervenants du secteur agricole, des producteurs, des productrices, adoptent ces pratiques-là. Mais on est capable, ils sont sécurs en termes d'environnement. On les connaît, ils sont sécurs, on est capable de le faire. Parlons de dépollution de cours d'eau. Qui paye la note au Québec? Actuellement, il y a un programme, c'est celui qui... Ce sont les citoyens. C'est pas les... Je vous en informe. C'est tous les citoyens québécois. Via le gouvernement. J'ai été en Ontario, là, ce printemps, visiter un complexe. Et... Il venait de finir la construction, là. C'est une porte ouverte. 2500 degrés. À tous les ans, moi, je vais au congrès du port américain, soit à Indianapolis cette année. L'an passé, c'était en Iowa. C'est des gros, gros complexes, eux autres. C'est 10 000 druits en même place avec les engraissements. C'est énorme. Que le Québec, globalement, doit améliorer pour améliorer sa cote au niveau des entreprises agroalimentaires. Certainly, in the U.S., many of the co-ops have been merging. Some of the organizations have seen that they've had to expand their businesses and team up with other co-op organizations in order to build market strength. We think that some of the internal pressures in politics will continue to stay in the way of some co-ops unless they realize that they need to become more nimble and more skilled at reacting to market pressures and make themselves more competitive. And it's those that are successful in becoming more flexible and competitive that we believe will continue to be successful over the long term. Thank you. I think my own personal opinion is that what farmers, our members, customers, whatever you want to call them, what they're primarily interested in, because they're business people, farms are getting larger everywhere in the world, and so the farming is more complicated, it's a business, and they want service, they want aggressive prices, they want innovative programs. Mais vous, en tant que Québécois, faites-vous confiance au domaine agroalimentaire pour ce qui est justement des risques financiers, puis par rapport à la mondialisation? Absolument, bien sûr. Ah oui. Il suffit, je pense, d'aller chercher les outils nécessaires pour pouvoir poursuivre, en fait, dans la croissance telle qu'on l'a connue ces dernières années. La mondialisation, c'est là, et on est un joueur important dans la mondialisation. Le Québec exporte une partie fort importante de sa production, pas juste agricole, mais industrielle, vers les États-Unis, vers l'Europe, vers l'Asie. Alors, dans le secteur agricole, c'est la même chose. On est un joueur qui
vit avec la mondialisation, qui accepte la mondialisation et qui y participe. Est-ce que vous connaissez les règles de l'OMC quant aux lois environnementales des États? Pas toutes. Vous seriez plus précis à ce moment-là. Est-ce que vous savez que l'OMC suppose que les États vont assouplir leurs lois environnementales? Non. Vous m'apprenez quelque chose là qui n'a même pas effleuré l'esprit. Depuis l'entrée en vigueur des accords de libre-échange nord-américain en 1994, les dépenses du gouvernement du Québec reliées à l'environnement ont été réduites de 65 %. Ces dépenses représentent aujourd'hui moins d'1 % du budget annuel de l'État québécois. La mondialisation, là, hein, c'est l'histoire de 23 familles les plus riches au monde qui détiennent les plus grandes fortunes et qui veulent contrôler l'ensemble des gouvernements. La mondialisation, c'est pas un problème de production, là. C'est un problème de contrôle des gouvernements. C'est aussi simple que ça, là. Et les gouvernements ne sont pas, je dirais, assez forts mentalement pour combattre ça, pour respecter leur population, maintenir la population telle qu'elle est là. On vit très bien ici, là. On a un beau coin ici. Pourquoi on voudrait le détruire? Toi, tu veux-tu encore grossir? Bon, un petit peu, là. Je vais y aller à un rythme normal. Ça va être mon garçon qui va décider ça après, dans le futur, là, qu'est-ce qu'il veut faire, là. J'aimerais mieux me concentrer plutôt vers l'abattoir pour avoir une ligne complète, là, de... Oui, c'est ça. De toucher jusqu'au bout, aller mettre... aller toucher à ta viande, aller apporter dans la viande, dans l'assiette du consommateur. Si on attend pour que des organismes à l'extérieur de Sainte-Croix viennent régler nos problèmes ici, on risque d'attendre longtemps. Les porcheries seront tous installées. Il y aura 30 000 cochons à Sainte-Croix, puis on sera pris avec des droits acquis. Ça ne réglera pas notre problème. On a un problème à Sainte-Croix. Ce problème-là à Sainte-Croix se retrouve à d'autres endroits. Il y a deux types de solutions. Une solution à court terme, ici, maintenant, par nous autres. Puis une solution à long terme pour éradiquer ça pour toujours, qui se retrouve au niveau provincial. Qu'est-ce que vous voulez faire, concrètement? À chaque fois qu'un groupe veut gagner quelque chose, que ce soit les Indiens à Miramichi ou à Oka, ou que ce soit les gens de Pont-Rouge ou soit ailleurs, les gens doivent se mobiliser. C'est qu'il faut ramasser le plus de monde possible et on pose un geste de désobéissance civile. Si vous êtes d'accord là-dessus, ça veut dire qu'on s'engage. Individuellement, on s'engage. Si vous me dites « oui, on est prêt à embarquer dans une action de même », on va la planifier. Alors, j'arrête là et je vous demande, sur le principe de la désobéissance civile, est-ce qu'on est d'accord? C'est le temps de le dire, si oui ou non. Moi, personnellement, je suis rendue à la traversée allée. Il y en a combien qui sont à la traversée allée? C'est ce qu'il faut savoir. OK. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est un sit-in? On est venu vous rencontrer d'abord pour vous saluer puis s'informer si vous aviez passé des belles vacances. Ah, ça j'ai passé d'excellentes vacances. Ben, vous êtes chanceux parce que nous, ça a été moins excellent. On a eu des perturbations dans notre ciel.
me semble que moi, si j'étais responsable d'un ministère et qu'on me disait l'activité que tu poursuis, les objectifs que tu mets en place constituent un danger pour la population, me semble que j'irais me coucher, puis je prendrais une aspirine, puis je dirais, ben, c'est quoi je peux faire demain matin pour arrêter ça? Avant, je vais vérifier un certain nombre de choses au niveau de l'analyse. Oui, mais vous êtes quand même l'adjoint du ministre de l'Agriculture. Oui, oui. Vous devez être au courant des dossiers, bon sang, bon sang. Les dossiers au niveau de l'environnement, comme je vous l'ai dit, je les connais pas, là. Ben, coudonc, vous parlez-vous entre vous autres? Ministère de la Santé, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, y a-t-il moyen de les assurer en même table? Premièrement, la santé, c'est quoi au départ? C'est l'air que tu respires puis l'eau que tu bois. Ça, c'est la base. Ouais, après, tu scrapes ça, là. On fait rien. On regarde ça, puis les enfants, on fait rien. On a des organismes qui travaillent justement pour conserver. Ils ont une mission, ces organismes-là. On a eu le problème avec la forêt. Bon, on n'est pas obligé de reprendre l'erreur boréale en détail. Là. Je pense qu'il y a des abus là-dedans sans généraliser. On a eu le problème avec les pêcheries aussi. Encore là, on octroie à un groupe de professionnels la possibilité d'exploiter la ressource jusqu'à ad nauseam. Puis après ça, on regarde les dégâts, puis on se rend compte, oups, il n'en reste plus de morue. Puis ils nous avaient dit qu'ils géraient ça comme faut, mais ça n'a pas marché. Fait que la ressource a été saccagée, puis après ça, on est obligé de restreindre les droits d'un peu tout le monde parce que quelques-uns ont abusé. Et présentement, on assiste au saccage du monde rural pour à peu près les mêmes motifs économiques. On est en train de prendre toute la zone verte du Québec. Et on dit, on remet ça à une association professionnelle. Le barreau du Québec l'a même dénoncé, que ça n'avait pas vraiment de sens démocratiquement. C'est pas ça une gestion du territoire. En tout cas, c'est le parallèle qu'on établit. On le fait avec la santé aussi. Quand on ferme tous les hôpitaux, qu'on s'en garde un ou deux méga-centres, puis qu'on ferme tous les restes, à peu de choses près, ou quand on fait la même chose en éducation, qu'on ferme la formation professionnelle en région, puis qu'on concentre ça dans des grands centres urbains. Donc, on est en train de prendre l'ensemble de toutes les ressources et de dire, on concentre ça en des usines, puis après ça, ben chacun aura trouvé sa case, mais ça cohabite pas, ça peut pas coexister. Ça prend du monde pour occuper le territoire. Ça... On dirait que le producteur agricole, à un moment donné, il y a toujours une petite clause à part. Ça, j'ai remarqué ça souvent, là. Oups, attends un instant, là, je pense qu'il y a une petite clause. Pourquoi on ferait ça, monsieur? Vous me prêtez des mauvaises intentions. Pourquoi on ferait ça? Le législateur, on est ici pour le bien des Québécois et des Québécoises. On essaie d'avoir la pire. Non, je me demande, c'est pas l'UBE qui vous mène. Ben, écoutez, ça, c'est votre prétention. Oui, je sais que je pense, C'est pas ça pour moi. Oui, parce que l'UPA, je ne dois rien, moi. Je suis pas membre de l'UPA. Non, mais c'est peut-être que les votes, c'est peut-être important aussi. Bon, mais vous allez m'excuser, moi, vous laissez, s'il vous plaît. Parce que je suis obligé de fermer le bureau, voilà. Non, mais écoutez, là, comment vous arriveriez à avoir des réponses? Vous resteriez assis là. C'est pas moi qui va faire un moratoire ici au Québec pour les choses des porcheries. Je vous le dis tout de suite, si vous rêvez à ça, là, c'est un rêve. Ça se peut pas qu'un gouvernement social-démocrate qui veut implanter un projet de société unique. C'est vrai qu'on est un peuple unique. C'est vrai qu'on a survécu à bien des adversités. Puis c'est vrai que le gouvernement a raison de nous proposer un projet de société. Un projet de société, ça se base pas, ça ne se comprend pas, ça ne s'élabore pas sur le dos des uns pour favoriser le petit nombre. Ça se base sur la justice, sur l'égalité, sur la fraternité. On ne pollue pas un projet de société. On ne pollue pas l'avenir des citoyens qui font partie de ce projet-là. Il me semble que ça devrait être à la base de la philosophie du Parti québécois. J'espère que c'est le. Puis j'espère que vous allez agir dans ce sens-là, bon sens, puis arrêter de croire qu'on vous a élu pour assurer la compétitivité au niveau international. C'est pas ça. On vous a pas élu pour ça, puis vous n'en avez pas parlé au moment des élections. On vous a élu pour gérer le bonheur quotidien des citoyens au maximum possible. On vous a élu pour régler les problèmes des hôpitaux, pour régler les problèmes de pollution, pour mettre au pas les pollueurs, puis c'est pour ça qu'on vous a élu, pas pour d'autres choses. Puis éventuellement, espérons-le, se donner un pays. Au cours des 50 dernières années au Québec, deux familles d'agriculteurs sur trois ont fait faillite, ont quitté la campagne ou ont vendu leurs fermes à des plus gros.
Aujourd'hui, trois groupes industriels contrôlent 84 % de l'abattage de porcs et plus de la moitié de ces porcs élevés au Québec sont exportés aux États-Unis et au Japon pour faire beaucoup de bacon.